Alors, bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, comme vous pouvez voir dans le titre de la vidéo, je vais faire un unboxing de Love Yourself Tier. Donc, mon paquet vient d'arriver ce matin. Donc, j'ai trop hâte. C'est parti. Alors. Ils sont là. Ah, j'ai trop hâte. Heureusement que j'ai les ciseaux. Il y a beaucoup de papier bulle. Alors. Donc, tout d'abord, j'ai une petite note. Pour dire merci que j'ai commandé avec InterAsia Online. Je mettrai le lien du site en description. Et j'ai donc c'est un coupon de 5% off. Donc ça c'est sympa. Mon Dieu. Ok, les albums sont là. Alors, on recommence. Oups, on va les mettre à l'endroit. Donc il y a le Y. Le U, le R, puis celui-là, je pense que c'est le. Ah oui, le O, j'avais peur. Le O, c'est mon préféré, donc j'avais peur de ne pas l'avoir. Et avec, j'ai eu. Ben, je pense que ce sont des posters, les pliés. Ah. Donc voilà le premier. Ah, j'adore! Maintenant le Y. Donc ça c'est la version Y. Ouh, la version O, mon préféré. J'adore cette version. Et donc pour finir, la version U. Ils sont magnifiques. Ouais. Donc ça c'était les quatre albums, les quatre albums, les quatre posters. Et donc les quatre albums sont là. Je suis trop contente. Allez, on va faire dans l'ordre, hein, logiquement. Alors, on va commencer avec le Y. Donc voilà. Bon, bien sûr, c'est à l'envers, hein, mais c'est le Y. Donc, il y a des petites notes. Bien sûr, tout écrit en coréen, qui raconte l'histoire. Le CD. Il est trop beau. Et donc, du coup, Photoshop. Oh mon Dieu. Ok. Allez, ça c'est la petite carte, membership. Ok. Donc ça, c'est le petit porte, je sais pas comment on appelle ça. Il y avait ça aussi dans l'album You Never Walk Alone. Un petit stand comme si. Oh mon Dieu. J'ai eu Jungkook. Il est trop beau. Ah, j'adore. Ah, et encore une carte ici. Je sais pas ce que c'est. On verra. Au fait, là, c'est bizarre parce que je sais pas si vous pouvez voir. C'est comme si c'est séparé en deux. Il y a toutes les photos devant. Et puis à l'arrière, c'est en blanc et c'est que des écritures. Donc derrière, il y a la tracklist.
Donc on commence, c'est tout noir. Ok, ça c'est la première photo. Je vais pas tout vous montrer, hein. Je vais ouvrir au hasard et on... Ah, là je tombe sur Jimin, Rap Monster et Jeho. Jungkook. Ah, il est trop beau. Ouh, Worldwide Handsome. Donc après c'est que des... C'est des paroles en fait. Après c'est des paroles des chansons. Et des fangs. Ok. Ouh. J'adore la qualité comme si. Et le fait que ce soit réfléchissant. Donc ça c'était le Y. Je remets tout dans l'album. Ça c'est fait. Maintenant on passe aux autres. Donc le haut. Donc toujours la petite note. Le CD. C'est tellement beau. Et du coup, l'album. Donc là aussi c'est séparé en deux. On voit la partie blanche plus les textes. Et puis la partie... J'adore cet album, cette version. Ok. Donc là aussi il y a le petit... Carnet, enfin, je sais pas ce que c'est. Il y a encore le stand, la carte de membership et pour finir la photocard. Oh mon dieu, j'ai eu mon bias. Déjà, j'avais mon bias avec Jungkook et là j'ai eu V. Kim Taehyung. Il est trop beau. Je voulais trop avoir V. Ah, je suis trop contente. Donc, du coup. Pour le haut version, la première photo c'est ça. Ensuite, au hasard, oh mon dieu, je suis bien tombée. Vie. Jungkook. Ouh, il y a quelques photos en couleur. Ah, j'adore. Ah, je suis trop contente. Je suis tellement contente d'avoir eu vie. Je suis tout pour cet album-là. C'est mon concept préféré. On ramasse. C'est dur à remettre. Maintenant. La version U. Donc la version U, c'est comme ça. Toujours la petite note, le CD. Cette fois-ci, ça n'a pas l'air très séparé. Mais il y a quand même les fangs derrière. Member card. Avec Yonggi. Et tout est tombé. Toujours ça. On va voir la photocard qui j'ai eu. Oh! J'ai eu Jimin. Il est trop mignon. Enfin, je sais pas trop, du coup, comme ça ou comme ça. Il est trop mignon! Donc là, j'ai eu la Maknae Line.
première photo de groupe. Ce concept, en fait, tous les concepts sont jolis. Ah, avec la feuille noire. Il est trop beau. On dirait un ange. Le sac. Ah, j'adore. Et maintenant, la version R avec Calvin Klein. Donc, les notes. Le CD. Membership. J'ai revu. Ah, j'adore. Oh, il est trop beau. La carte noire. Et le stan. La première photo. Normalement, on devait pas avoir une. Ah, c'est peut-être ça la carte spéciale. C'est normalement pour les pre-order. C'est bon, j'ai pre-order avec une carte spéciale. Un petit Nanjin. Ouh. Ils sont tous trop beaux. Sunshine. Ah, j'adore. Ah, attention. La fameuse photo. Donc, ben voilà. C'était mon unboxing. Des 4 versions de Love Yourself Tear. J'espère que ça vous a plu. Même si c'était un petit peu fouillé, un petit peu rapide. C'est la première fois que je fais un unboxing, donc je sais pas trop comment ça marche. Donc voilà, juste merci d'avoir regardé. Et on se rejoint dans une prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais essayer de faire les surveys. Au revoir.